Bienvenue dans les astuces couture de ma petite mercerie. Aujourd'hui, nous allons apprendre à poser une fermeture éclair. Tout d'abord, choisissez le pied spécial fermeture éclair de votre machine à coudre. Il peut en exister des différents selon les marques. Nous allons ensuite venir poser notre fermeture éclair endroit contre endroit sur notre premier tissu. On va venir réaliser une première couture tout le long de la fermeture au plus près des dents de la fermeture éclair. Lorsque vous arrivez au niveau du curseur, il faut laisser l'aiguille plantée dans le tissu, relever le pied de biche pour faire passer le curseur et ainsi terminer correctement notre couture. Afin d'avoir des finitions parfaites, on va venir faire une surpiqûre tout le long de la fermeture éclair en prenant bien soin d'avoir le tissu parallèle à cette dernière. Lorsque l'on arrive au curseur, on va comme tout à l'heure laisser l'aiguille piquer dans le tissu afin de faire passer le curseur pour pouvoir terminer tranquillement notre couture. Deuxième étape, on va venir poser notre tissu endroit contre endroit en prenant bien soin d'aligner le tissu à la fermeture éclair. Et on va venir réaliser une nouvelle couture au plus près des dents. Et vous devrez pour cela changer de côté le pied spécial fermeture éclair de votre machine à coudre. Pensez toujours à bien laisser l'aiguille piquer dans votre tissu afin de faire glisser le curseur sur l'arrière. Vous remarquerez que je n'ai pas utilisé d'épingle ou de pince pour maintenir mon tissu, mais vous pouvez tout à fait en utiliser si vous êtes plus à l'aise avec. Dernière étape, on vient réaliser une surpiqûre tout le long de ce deuxième côté en prenant bien soin de laisser le tissu parallèle et d'avoir le même écartement de part et d'autre de notre fermeture éclair. Et voilà, vous avez réussi la pose de votre fermeture éclair.